Ah, attends. Tadam. Ah, je suis à la fine. Là, c'est rocker. Hein. Ça fait pauvre petit. J'ai pris en compte un peu le lieu où le mur était placé. Et comme il y a un gymnase et une salle de danse, et ben je me suis dit, comme j'allais faire un portrait, je voulais faire une femme avec un chignon qui ressemblait pas mal à une danseuse pour évoquer un peu, ouais, c'était un peu le thème de la danse, quoi. Après, j'ai pas fait un corps, elle danse pas, mais voilà, c'est pas en 3D et tout, ça ne bouge pas. Mais j'ai fait un oiseau comme ça qui s'envole, qui représente un peu sa liberté quand elle se met à danser. Et donc, il m'a déconcentré pour commencer. Le graffiti n'était peut-être pas encore assez, et le street art n'était pas assez présent et visible sur le territoire. L'idée était donc de faire passer le graffiti pour une démarche artistique à travers la réalisation de grandes façades colorées par des artistes de renommée avec leur style particulier. Le hibou, d'après l'artiste, est un animal dans certaines civilisations qui porte le savoir. Donc là, on voit très bien qu'il porte un livre et puis des petites hirondelles qui symbolisent les élèves. Au-dessus, on voit une girouette qui donne la direction à suivre. Il y a toute une symbolique aussi au niveau des abeilles qui, d'après l'artiste toujours, donnent du mouvement et de la lumière à l'œuvre. Et c'est vrai, quand on la regarde, ces abeilles illuminent l'œuvre. Pourquoi ce texte ? Moi, ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose sur ce sujet qui me tient à cœur, quoi. Du coup, les stéréotypes et les dangers qu'ils peuvent représenter. Et c'est vrai que le fait que ce soit sur une école, j'ai trouvé ça totalement approprié pour développer ma phrase, quoi. On n'a plus de choix que le bleu et le rose. Un ton relativement simple pour que ce soit compris par les enfants, ou en tout cas qu'ils puissent en parler avec leurs instituteurs. Et voilà. Ça veut dire que dans le monde, nous sommes tous différents, mais quand même, on est tous pareils. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci. C'était très beau. Oui. Tu l'as très bien dit. C'est ça, le message passe bien.